n'était pas ma faute que mon père m'abuse sexuellement. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas ma responsabilité, mais c'était ma responsabilité de m'emparer de la parole de Dieu que je professais croire et d'arrêter de geindre et de m'apitoyer sur moi-même et de regarder le passé et d'avoir une mauvaise attitude. C'était ma responsabilité. Ce n'était pas quelque chose dont il fallait que je m'attende à ce que quelqu'un vienne faire miraculeusement à ma place. Je devais commencer à obéir à Dieu et faire ce qu'il voulait que je fasse. En Matthieu 20, 16, il est dit, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je crois que beaucoup de gens sont appelés à faire de grandes, grandes, étonnantes choses. Je pense vraiment que le monde devrait être époustouflé par les chrétiens. Oui, vraiment. Je pense que nous devrions être les héros du monde. Les gens ont besoin de héros, de gens pour lesquels avoir du respect. Ils ont besoin de gens à admirer, quelqu'un qui leur montre la bonne direction. Chaque petit enfant adore jouer au super-héros. Mes deux plus jeunes garçons ont tous les costumes de super-héros qu'on puisse avoir. J'en ai même un pour jouer au super-héros avec eux. J'ai ma propre cape de super-héros. Elle a un J sur le dos avec un éclair en travers. Si nous apportions au monde un exemple de Jésus, il serait encouragé et aurait de l'espérance. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés à faire de grandes choses, mais peu font de grandes choses, parce que peu de gens prendront la responsabilité de l'appel.